Lumos, hello hello, j'espère que vous allez bien en ce 24 décembre. C'est déjà le jour d'ouvrir la dernière case de notre calendrier de l'Avent des idées cadeaux. Pour l'idée cadeau de ce dernier jour du calendrier de l'Avent, j'ai eu envie plutôt de vous présenter une marque plutôt qu'un objet en particulier parce qu'on va parler des produits Haribas. Je vais pas vous parler de tous les produits en détail, je vais vous mettre des photos juste ici avec les prix à chaque fois en dessous. Comme ça, voilà, vous pouvez voir de visu, voilà, et je vous avoue que c'est peut-être un petit peu plus facile pour moi que de vous détailler chaque produit en vous disant le prix à chaque fois. Là au moins comme ça vous avez les photos qui sont juste là. Ce sont des produits d'une qualité, honnêtement je trouve que la qualité est exceptionnelle sur ces produits là. J'ai la chance d'avoir déjà le ticket pour le Poudlard Express de chez eux et j'ai offert à Noël passé eh bien, les pièces de monnaie à Julie et Mariella. Et évidemment ben, je les ai vues pour les emballer et je les ai trouvées vraiment magnifiques. Le travail est d'une finesse, c'est vraiment superbe et les quatre maisons eh bien en fait sont les seuls revendeurs en Belgique de la marque Haribas. Donc c'est aussi un petit peu pour ça que je voulais vous parler de cette marque là parce que bon je trouve ça génial pour les quatre maisons. Donc comme d'habitude vous avez tous les liens dans la barre d'infos. Effectivement si vous souhaitez offrir ces objets pour la Noël eh bien c'est un petit peu tard pour commander en ligne, mais si vous souhaitiez commander aujourd'hui c'est que vous êtes pris vraiment très très en retard pour votre cadeau, mais vous avez encore la possibilité d'aller en boutique parce que ben oui, aujourd'hui j'ai posté ma vidéo le matin, ce qui vous laisse le temps d'aller eh bien à la boutique des 4 maisons si vous souhaitez acheter un des produits Haribas ou un des autres produits que je vous ai présentés durant tout ce mois ou un des autres produits qu'ils ont dans la boutique aussi évidemment hein. Comme d'habitude je ne sais plus si je l'ai dit mais tous les liens sont dans la barre d'infos pour les produits Haribas, enfin je vous aurais mis un lien qui vous envoie ben, directement sur la recherche d'Haribas, je vous aurais pas mis chaque produit l'un à la suite de l'autre parce que ben parce qu'il y en a beaucoup, voilà, et que comme ça, eh bien, vous pouvez avoir une vue d'ensemble des produits aussi. Évidemment, je voulais vous dire, et, enfin, vous rappeler, ou enfin bref, je pense que je n'en ai pas parlé, mais effectivement, durant ben, presque tout ce mois de décembre, je vous ai parlé exclusivement des 4 maisons, tout simplement parce que ce sont, eh bien, enfin ce sont Stan, maintenant est devenu un ami, que j'adore sa boutique, que j'avais envie de vous parler bien de sa boutique, tout simplement parce que c'est quelqu'un que je souhaite soutenir et que je ne peux que vous encourager à rencontrer en allant en boutique. Vous aurez aussi la chance de rencontrer Julie, donc Julie d'Instagram des Too Magic World, Julie des Witchy, enfin notre Julie quoi, qui travaille là-bas et vraiment je sais qu'elle prend un plaisir incroyable à travailler aux 4 maisons tout simplement parce que l'ambiance, eh bien, l'ambiance est magique aux 4 maisons, voilà, et j'avais envie ben, de vous présenter cette boutique, de vraiment vous inviter à commander chez eux ou à vous rendre en boutique si vous avez la chance d'être tout près ou d'être de passage du côté de Liège. Ben, franchement, si vous passez en boutique, c'est encore mieux. Mais si vous n'avez pas cette chance-là, eh bien, vous pouvez commander les yeux fermés sur le site des 4 maisons. Vraiment, enfin voilà, je vous encourage vraiment à passer par eux. Et c'était pas du tout un partenariat que de vous parler, ben, des 4 maisons pendant presque tout ce mois de décembre. C'était juste parce que ben, parce que j'avais envie de vous partager quelqu'un qui est vraiment passionné par l'univers d'Harry Potter, quelqu'un qui tient cette boutique par passion et c'est vraiment très très important finalement et ça se ressent vraiment dans son travail. Enfin bref, cette vidéo est beaucoup plus longue, peut-être parce qu'on est le 24 décembre que j'ai eu envie de vous parler de choses que j'aurais dû faire dès la première vidéo finalement. Faut dire tout ça, pourquoi est-ce que j'ai attendu la dernière vidéo? Enfin bref, je vous souhaite de passer un très 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 joyeux réveillon de Noël, de vous amuser, de passer ce moment avec les gens que vous aimez. Moi je vais aller boire une coupe de champagne. C'est faux, vous savez très bien que cette vidéo est tournée à l'avance parce que là maintenant pendant que vous la regardez, je suis au travail les loulous. Et oui, et demain aussi, oh là là, quelle drôle d'idée. Enfin bref, je vous fais quand même des bisous, je vous souhaite de passer un très très joyeux Noël et à la prochaine, voilà. Ah oui, je vous ai pas dit, mais comme d'habitude, mettez un pouce en l'air sur cette vidéo si elle vous a plu, abonnez-vous pour ne pas louper les prochaines vidéos qui arrivent et que j'ai très très hâte de vous montrer
me rejoindre sur Instagram, à rejoindre aussi les 4 maisons et rajouter, suivez tout le monde sur Instagram, ok? Toutes les personnes chouettes dont je n'ai pas parlé pendant ce mois-ci, mais il y a énormément de comptes sur Instagram qu'il faut suivre et qui sont vraiment très très cool. Enfin bref, suivez-nous sur Instagram, ça nous fera vraiment très très plaisir. Dans les commentaires, vous pouvez me souhaiter et souhaiter aux autres un joyeux Noël. Voilà, finalement, pourquoi pas, c'est peut-être le jour où c'est le mieux de le faire. Enfin bref, je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine. Salut, salut, Nox. C'est Noël, c'est Noël, c'est Noël, c'est Noël.